dit, je souhaite la bienvenue à chacun au nom de Jésus. C'est merveilleux de vous avoir dans la maison ce soir. Avec toutes les conditions au dehors, je ne savais pas que vous serez là. Et vous êtes là. Vous allez toujours venir. Dans votre vie, le progrès, toujours la marche en avant, et toutes ces ambitions, ces désirs, et tout ce que vous avez à l'esprit, je vous dois maintenant, vous réussirez. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas là ce soir. Je ne peux pas les condamner à cause de la pluie et de tout. Mais vous savez, quand vous préparez un repas pour 100 personnes, et 50 personnes apparaissent et la nourriture est déjà prête, ça veut dire que les 50 auront de plus à manger. Et cela veut dire que nous tous qui sommes là ce soir, nous aurons des choses complémentaires dans la vie, plus de puissance dans votre vie, de progrès dans votre vie au nom de Jésus. Votre famille va expérimenter quelque chose davantage. Levez ses mains et que ses mains soient ointes. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour les frères et sœurs, nos dirigeants qui sont là ce soir. Nous te remercions pour ceux qui viennent encore. Merci pour la joie du Seigneur et pour le désir de te servir à tout moment, quelles que soient les conditions autour de nous. L'aspiration, l'ambition, le désir, la marche en avant, je dois être là et ton peuple est là. Je demande, Seigneur, que tu bénisses chacun ce soir au nom de Jésus. Dans toutes nos assemblées, nos groupes, partout où nous sommes rassemblés, et que la parole atteint chacun. Je prie, Seigneur, que ta grande puissance parvienne à chacun au nom de Jésus. Et également pour toutes les régions, pour tous les États, tous les pays où la parole de Dieu leur parvient présentement. Je prie, Seigneur, quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fructueux. Donne à chacun, à chaque vie, au nom de Jésus. Chacun doit repartir à la maison avec quelque chose ce soir. Impacte chaque vie. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Vous devez me donner mes amen avant de vous asseoir. Que Dieu bénisse. Nous sommes en Hébreux chapitre 6. Hébreux 6, les versets 1, 2 et 3. Hébreux 6, versets 1, 2 et 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ce soir, comme nous considérons ces trois versets des Écritures, nous considérons le message, le progrès ferme des dirigeants, le progrès inébranlable, le progrès ferme des dirigeants consacrés, des dirigeants engagés, des dirigeants qui sont fermes, qui sont sanctifiés. Le thème donc ce soir est le progrès ferme des dirigeants consacrés et sanctifiés. En revenant à ce chapitre 6 d'Hébreux, nous devons comprendre que nous venons du chapitre 1. Et l'auteur, l'apôtre Paul, comme il nous l'avait déjà dit, ce que Christ a fait, ce qu'il a fait pour toi, pour moi et pour chacun. Chapitre 1, verset 3. Le chapitre 1, verset 3. Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis
C'est ce qu'il a fait pour nous. Déjà avant que nous allions au chapitre 6, il nous a purifiés des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il nous appelle frères parce qu'il nous a purgés et il nous a sauvés. Et maintenant, on dit ici, il nous a sanctifiés. Voyons le chapitre 3. Nous lisons le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et il nous montre, avant d'aller au chapitre 6, il dit, voici ce que nous sommes. Nous sommes frères, nous sommes de saints frères, nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes purifiés. Et ensuite, il nous dit, le résultat, c'est que cela nous donne la sanctification, il nous a sanctifiés et nous sommes unis à lui. Maintenant, il nous dit ici que nous sommes même participants à la vocation céleste. Chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il dit, notre héritage est vraiment énorme, grand, est si élevé et inexhaustible. Il dit, quelles que soient les épreuves que nous avons, quelles que soient les tentations que nous avons, quelles que soient les circonstances que nous avons autour de nous, nous pouvons venir avec assurance au trône de la grâce. Et nous trouverons grâce, miséricorde. Nous allons obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins, les défis que nous avons au moment des besoins. Il nous dit maintenant dans le chapitre 5, verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, aidés, nous avons assez eu, nous avons assez appris, nous avons assez reçu, nous avons assez expérimenté pour être des maîtres, mais nous ne savons pas la profondeur, la hauteur, la route, la largeur, la longueur, le volume et la grandeur de ce que nous avons. Ainsi donc, nous espérons toujours que quelqu'un nous nourrisse, lorsqu'en réalité, nous sommes en position de nourrir, de paître, d'enseigner les autres, de diriger les autres. Et Dieu merci, tu es là ce soir. Parce que tu es un dirigeant. Et tu acceptes que tu es un dirigeant. Tu acceptes que tu es un enseignant. Et tu n'es pas comme ceux qui disent, donnez-moi, donne-moi, donnez-moi, donnez-moi. Je n'ai rien à donner. Je te regarde là-bas, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à partager. Et tu as quelque chose à impacter dans la vie d'autrui. Et ceux qui viennent proche de toi, ils auront l'effet et la puissance de cet enseignement que Dieu t'a donné dans leur vie au nom de Jésus. Mais vous savez, il a parlé à la majorité des gens, même les chrétiens hébreux. Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de l'air et non d'une nourriture solide. Il dit, verset 13, or quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien. Ce que cela veut dire, ça dit qu'ils citent les Écritures, ceux qui prennent la nourriture solide, et ils ont utilisé les Écritures. Quelqu'un qui est un gagnant d'âme, il a utilisé les Écritures pour apporter la conviction à un pécheur,
pas l'usage. Donc il est devenu un adulte, quelqu'un, un conseiller. Il fait usage de la parole de Dieu pour encourager quelqu'un d'autre, pas l'usage, en utilisant donc la parole pour le bien des autres. Quelqu'un qui est un enseignant de la parole, il peut enseigner un individu, ou il enseigne un groupe de personnes, ou il enseigne comme nos enseignants qui nous ont enseigné ce soir. Ils utilisent les Écritures et ils nous illuminent. Il utilise les Écritures comme une clé pour ouvrir notre compréhension. Il dit que de telles personnes dirigent et ils sont maintenus, entretenus, nourris par une nourriture solide, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire, le discernement est venu dans nos vies maintenant. Nous sommes capables de discerner que ceci n'est pas bon. Je ne peux pas faire ça. Ceci est bon. C'est ce que Dieu attend de moi. Pourquoi est-ce que tu fais la bonne chose que tu fais? Vous pouvez conduire la personne à un chapitre, à un verset de la Bible, parce que vous discernez ce qui est bien, ce qui est mal. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci? Pourquoi est-ce que tu ne cours pas avec eux dans tel type de soulèvement? Parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu discernes le bien et le mal. Ce discernement t'amène à dire, à cause de tel passage des Écritures, à cause de ce que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas le faire et personne ne peut te confondre. Tu ne pourras pas être confondu au nom de Jésus. Maintenant, il dit, parce que certaines personnes sont des enfants, certaines personnes ne croissent pas. Il dit maintenant, c'est pourquoi, chapitre 6, verset 1, c'est pourquoi veut dire, à cause de ce que nous avons appris, nous devons faire quelque chose maintenant. Il dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il dit, à cause du ministère excellent de Christ, il dit, à cause du sacrifice parfait du Fils de Dieu, il dit, à cause du grand service sacerdotal de Christ, il dit, à cause de toute la grâce suffisante de Dieu, capable, disponible pour nous, nous pouvons venir au trône de la grâce. Et toute forme de grâce dont nous avons besoin est disponible. Il dit, à cause de la puissance éternelle de la parole de Christ, qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance dans le chapitre 1. Et dit, à cause de la provision de notre Père, la provision de la pureté, la provision de la puissance, la provision de son sacerdoce, à cause des possibilités du progrès. Et dit, à cause de notre partenariat avec lui, et dit, à cause de sa perfection, le sacrifice parfait qu'il a offert sur la croix du calvaire, alors tendons à ce qui est parfait. Vous allez avancer et vous croîtrez au nom de Jésus. Voyons ces trois versets une fois encore. Verset 1. Il y a un mot là-bas. Les éléments. Il y a un autre mot là-bas. Parfait. Et entre les éléments et la perfection, il y a une voie, un sentier. Les éléments, les fondamentaux, les rudiments, les éléments, la fondation et le commencement. Ensuite, il y a l'ultime, la finalité, la perfection. Et il y a donc un mouvement des éléments vers la perfection. Cela veut dire, il y a le progrès. Trois choses premièrement. Les principes, deuxièmement, le progrès, et troisièmement, la perfection. Et si vous êtes ferme comme ça, et vous commencez par les principes, alors vous avancez, et vous évoluez, vous faites du progrès. Ensuite, vous aurez la perfection. Ce soir, le progrès ferme des dirigeants consacrés et sanctifiés. Il y a trois points à considérer. Premièrement, les principes des doctrines de Christ. Ils sont là dans le verset 1. Les principes des doctrines de Christ. Deuxième point, le progrès dans notre dédicace à Christ.
Nous commençons par les principes, nous progressons, le progrès dans notre dédicace à Christ. Troisième point, nous verrons la perfection dans la vraie dévotion, la véritable dévotion à Christ. Lorsque vous êtes réellement dévoué, entièrement dévoué, permanemment dévoué, de façon objective dévoué à Christ, il y a la perfection en cela, la perfection dans la véritable dévotion à Christ. Revenons au premier point, les principes. Allons dans le verset 1. C'est pourquoi, laissant les principes ou les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Vous voyez, il y a deux mots importants qui sont reliés. Un mot, les principes, et l'autre mot, le fondement. C'est comme quand vous avez un bâtiment, un grand immeuble, comme le grand immeuble dans lequel vous êtes. Il y a un fondement, une fondation. Et il dit, donc, en laissant ces principes, ces éléments, en laissant, en quittant ce fondement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez vers ceux qui construisent la maison. Le premier mois, ils ont creusé, ils ont posé la fondation. Et vous regardez tout autour, ils ont posé la fondation. Mais le deuxième mois, vous revenez encore. Et il faut encore des choses toujours au niveau de la fondation. Peut-être ils versent de l'eau pour que le ciment soit assez endurci pour soutenir le bâtiment. Le troisième mois, vous revenez encore et ils font quelque chose sur la fondation. Et ils mettent d'autres choses. Et vous dites, mais nous sommes tout le temps depuis sur la fondation. Quand est-ce que nous allons quitter la fondation, le fondement, pour passer au véritable bâtiment? Quitter le fondement ne veut pas dire abandonner. Ça ne veut pas dire que nous détruisons la fondation. Ça veut dire que la fondation est affermée. La fondation est mise en place. Et la fondation est solide. La fondation est inébranlable. La fondation est indubitable. La fondation est ferme dans la vie des gens. Maintenant, nous pouvons quitter cette fondation telle qu'elle est. Et maintenant, nous allons bâtir dessus. Alors, quitter la fondation, le fondement ne veut pas dire abandonner. Ne veut pas dire détruire le fondement, ne veut pas dire ôter le fondement, ça ne veut pas dire rendre le fondement inutile, ne veut pas dire rendre le fondement inutile, ne veut pas dire le rendre redondant. Ça veut dire que vous avez fait suffisamment sur la fondation, le fondement, laissez la fondation et avancez. Alors les principes des doctrines de Christ, quels sont? Il y a six choses. Premièrement, verset 1. Il y a la repentance des œuvres mortes. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisièmement, la doctrine des baptêmes au pluriel. Quatrièmement, l'imposition des mains. Cinquièmement, la résurrection des morts. Sixièmement, le jugement éternel. Examinons ces fondements, les principes, les éléments un à un. Premièrement, la repentance ou le renoncement. Actes des apôtres, chapitre 17. Actes 17. Voici les principes, voici les rudiments, voici les éléments, voici les éléments primaires. Quand vous commencez par le primaire, avant de passer au cours secondaire, vous passez par le primaire et vous devez poser les éléments, la connaissance primaire avant de passer à l'université. Élémentaire, très important. Et lorsque nous allons au cours secondaire, nous n'oublions pas, nous ne rejetons pas ce que nous avons appris au cours primaire. Et lorsque nous allons à l'université, nous n'oublions pas aussi l'alphabet, nous n'oublions pas la construction des phrases, nous n'oublions pas l'écriture que nous avons apprise au primaire. Cela est affirmé, nous ne retournons plus au primaire, mais nous utilisons ce que nous avons appris au primaire pour le restant de nos études. Actes des apôtres 17, lisons le verset 30.
on nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Savez-vous que pendant que vous étiez à l'université, il y a des gens qui commencent le primaire. Pendant que vous finissez les études, il y a d'autres qui viennent de commencer le cours primaire. Et au moment où vous faites les études du second cycle universitaire, il y en a qui commencent au primaire. La repentance est toujours là. La repentance doit être toujours prêchée. Pendant que les dirigeants apprennent quelque chose d'élevé, quelque chose de grand, il y a des gens qui viennent d'entrer dans le royaume et la repentance doit être toujours accentuée pour eux. On nous dit en 2 Pierre, au chapitre 3. En 2 Pierre, chapitre 3. Je vous lis ici le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. On nous dit dans le verset 9, on dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant, dites-moi, que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. En laissant le fond, quittant le fondement, en quittant les principes, ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous n'allez plus prêcher ou mettre l'accent sur la repentance. Et il y en a qui doivent commencer à ce niveau élémentaire, non seulement cela, même ceux qui s'étaient repentis avant, mais quelque chose s'est mal passé. Apocalypse chapitre 2, en Apocalypse 2, verset 4. 2, 4 d'Apocalypse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi, repends-toi. Donc vous voyez, la repentance est toujours là. Mais si vous avez déjà réglé ça, vous pouvez avancer. Deuxièmement, c'est la foi. Revenons en Hébreu, au chapitre 6. Lisons le verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments, les principes de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement ou de repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu. Voilà là où nous avons aussi commencé, la foi en Dieu. Mais vous devez comprendre que lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous avons bu de l'eau. Et devinez quoi? Après avoir bu de l'eau, nous avons pris du lait. L'eau et du lait, l'eau et du lait, l'eau et du lait. Ensuite, il fallait ajouter quelque chose, la nourriture solide. Mais en quittant l'eau, ça ne veut pas dire que nous avons abandonné l'eau. Nous quittons l'eau dans le sens que on ne nous nourrit plus seul avec de l'eau. On nous nourrit avec de l'eau, on nous nourrit avec du lait. Et on nous ajoute du pain, on ajoute du riz, on ajoute d'autres choses. Mais nous ne dépendons plus seulement de l'eau. C'est la même chose quand nous parlons de la foi. La foi est la fondation. Comment parvenir au salut, c'est pas la foi. Voyons Hébreux. Excusez-moi, Éphésiens plutôt. Chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et nous lisons le verset 8. En Éphésiens 2. Verset 8, 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et vous ne pouvez pas dire, j'ai fini avec la foi, parce que je suis sauvé par la foi. Et les Écritures disent, quittant donc les principes, et la foi en Dieu fait partie de ces éléments. Je quitte ça, j'abandonne ça. Non, je n'abandonne pas. Nous avons bu de l'eau, même en prenant de l'âge, nous continuons à boire de l'eau. Mais nous quittons ça dans le sens que nous ne buvons pas l'eau seulement. Hébreux 11, je vous lis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Un apôtre vient à Dieu, il doit croire. Un prédicateur s'approche de Dieu, il doit croire. Un pasteur, un enseignant s'approche de Dieu, il doit croire.
quelqu'un est sauvé, il s'approche de Dieu pour la sanctification, il doit croire. Un pécheur s'approche de Dieu pour le salut, il doit croire. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ainsi, la foi continue. Mais vous savez quelque chose? Il y a des gens. Regardez 1 Timothée au chapitre 5. En 1 Timothée chapitre 5, nous lisons le verset 12. 1 Timothée chapitre 5, verset 12. Et se rendant coupable en ce qu'elle viole leur premier engagement, leur première foi. Ça dit, ils ont mal compris. Quand il dit quitter les principes, la repentance, ils ont mal compris cela. Quitter la foi, ils n'ont pas compris. Bon, plus de foi. La foi est toujours là. L'eau est toujours là. Ils sont condamnés parce qu'ils ont abandonné, ils ont renoncé, violé leur premier engagement. Troisième élément maintenant, principe. Hébreux 6, 2. La doctrine des baptêmes, c'est au singulier ou bien au pluriel? Je ne vous entends pas. C'est au pluriel. Donc vous comprenez, premièrement, il y a le baptême d'eau. Deuxièmement, il y a le baptême dans le baptême en Christ. Troisièmement, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Alors il dit, voici les principes, voici les éléments, voici le fondement, le baptême de Matthieu 28. Nous lisons ici le verset 20. Matthieu 28, verset 19. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après la repentance et la foi en Christ, il y a le baptême d'eau. Il y a aussi un autre type de baptême. Vous êtes baptisé en Christ. Vous êtes immergé en Christ. En Romains chapitre 6. Romains 6, 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Il dit, nous sommes immergés en Christ. Ce n'est pas seulement dans l'eau. Nous faisons partie de Christ. Nous sommes maintenant membres de son corps. Et il est là, le chef. Maintenant, nous dit dans le verset 5. En effet, si nous sommes devenus même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le baptême d'eau, le baptême en Christ et le baptême de l'Esprit. En Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez cela? Le baptême d'eau, le baptême en Christ et le baptême du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous.
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Revenons en Hébreux au chapitre 6. Je vous lis maintenant toujours le verset 2. Les éléments, les principes, les éléments, les rudiments, les expériences du coup primaire, la repentance, la foi, les baptêmes au pluriel, maintenant l'imposition des mains. Chapitre 6, verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. En pensant au ministère des disciples et des apôtres, il y a l'imposition des mains, premièrement, pour la guérison. Allons en Marc, au chapitre 16. Lisons le verset 17 et le verset 18. Voici les miracles, si les prodiges qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Marc 16, amen. 7, 17 et 18. Ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, ça c'est rudimentaire, c'est élémentaire. Il dit, l'imposition des mains pour les malades. Mais, en venant dans les actes des apôtres, vous vous demandez, Pierre est apparu dans le chapitre 3. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi, lève-toi et marche. Pourquoi il ne lui a pas imposé la main? Il pouvait, mais c'est élémentaire. Et Paul, dans le chapitre 14, en regardant cet homme qui était né paralytique, et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri, il a crié, lève-toi et suis tes pieds. Et il s'est levé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé lui imposer la main? Parce que c'est élémentaire, rudimentaire. Il pouvait s'il voulait. Il y a donc l'imposition des mains aux malades. Également, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a même l'ombre de Pierre qui passait et n'avait pas besoin d'imposer les mains. C'était élémentaire, rudimentaire. Et l'ombre les touchait et ils étaient guéris. Pour chacun, je prie que nous progressions. Ensuite, il y a l'imposition des mains pour le ministère, Actes des apôtres, au chapitre 13. Actes chapitre 13, lisons le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Il y a une imposition des mains pour confier, pour commissionner, pour ordonner et envoyer dans le ministère. Actes chapitre 19, verset 6. Actes 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient sauvés, sanctifiés. Et la main leur a été imposée pour le baptême dans le Saint-Esprit. 1 Timothée, au chapitre 4, verset 14. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Chapitre 1 de 2 Timothée chapitre 1 verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
Alors, pour transférer les dons de l'esprit dans la vie d'un ministre, il y a aussi l'imposition des mains. Cinquièmement, la résurrection. En Hébreu, Hébreu 6, verset 2. De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Ça, c'est une doctrine fondamentale, la résurrection des morts. Il y a la résurrection. On nous dit en Jean, chapitre 5, Jean, chapitre 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc il nous dit, ceux qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. La résurrection. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il dit, il y aura la résurrection des morts. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je prie que vous soyez là. Daniel, au chapitre 12. En Daniel, chapitre 12, lisons les versets 2 et 3. Daniel 12, 2 et 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Les saints seront ressuscités pour la vie éternelle, pour avoir leur récompense. Les pécheurs seront ressuscités également. Les rétrogrades aussi qui sont morts dans la rétrogradation seront également ressuscités, mais pour la honte et l'opprobre éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Tu seras là. J'ai dit, tu seras là. Revenons en Hébreu, au chapitre 6, verset 2. La doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ici, l'auteur dit qu'il n'y ait pas de doute en toi, que ceci est fondamental, c'est la fondation, ceci est le principe, ceci est élémentaire, primaire. Cela fait partie des éléments. Il y aura donc le jugement éternel. Hébreu 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Chapitre 10 d'Hébreux. En Hébreux chapitre 10,
Lisons le verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel prix châtiment pensez-vous? Que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y a le jugement. Voilà pourquoi nous évangélisons et nous avertissons les gens, nous les appelons à venir au Seigneur en 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous connaissez aussi. Ainsi donc, nous apprenons qu'il y a les principes, la connaissance élémentaire, la connaissance fondamentale. Et une fois que cela est établi, comme nous avons posé la fondation d'une maison, nous pouvons laisser ça, nous le laissons intact, nous n'abandonnons pas, nous ne le détruisons pas, nous n'abandonnons pas, nous laissons intact, parce que beaucoup d'autres qui viennent auront besoin de cette repentance, ils auront besoin de cette foi en Dieu, et nous avons tous aussi besoin de la foi en Dieu. Et maintenant, les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et la connaissance du jugement éternel. Venons maintenant en Hébreu, au chapitre 3, au chapitre 6 plutôt, verset 1. Deuxième point maintenant, le progrès dans notre dédicace à Christ. Le progrès dans notre dédicace à Christ, dans le chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments, les principes de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Tendons, allons, passons, faisons du progrès. Faisons du progrès. Vous vous demandez, comment est-ce que je peux faire du progrès? Comment mesurer le progrès? Quels sont les moyens du progrès? Quel est le mode du progrès dont nous parlons? Tendons, passons, avançons, faisons du progrès. Comment faire du progrès? Comment avancer? Comment croître? Comment avancer? Comment avoir d'élargissement, d'accroissement dans les choses du Seigneur? Il y a un mot qui montre que nous faisons du progrès. Voyons Jean au chapitre 15. En Jean, chapitre 15, et vous devez examiner ce mot dans votre propre vie, parce que c'est le mot qui décrit le progrès. Que vous avancez, que vous faites du progrès, que vous croissez réellement. Revenons en Jean au chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça, ce n'est pas pour toi, tu porteras de fruits. Je dis, ce n'est pas toi, tu porteras de fruits. Voici ce qui te concerne. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus, dites-moi, de fruits. Le mot ici est plus. Le mot ici est encore plus. Comment comprendre que vous croissez dans la connaissance? Plus de connaissance. Comment savoir que vous croissez dans la force? Quand vous avez plus de force, une fois qu'on peut utiliser le mot plus
plus et plus, cela veut dire que vous croissez. Ainsi donc, premièrement, plus de fruits, plus de fruits. Il nous émonde et nous purifie afin que nous portions plus de fruits. Et le fruit de la repentance est plus visible aujourd'hui dans ta vie, gloire à Dieu. Le fruit de la justice est plus visible, évident dans ta vie aujourd'hui, gloire à Dieu. Et le fruit de plus de connaissance dans la voie de Dieu est plus, nous louons Dieu, le fruit de plus d'engagement. Nous pouvons réellement détecter, comme au commencement, avec la pluie, avec tout ce qui se passe autour de nous, pour qu'on puisse aider, je dois être là. Peut-être il y a des années, vous allez dire, en regardant vraiment la nature, je ne pense pas que je peux sortir aujourd'hui. Mais Dieu merci, tu grandis. Et tu vas continuer à croître au nom de Jésus. Premièrement, plus de fruits. Deuxièmement, plus de grâce. Plus de grâce. Voyons Jacques au chapitre 4. En Jacques chapitre 4, je vous lis ici le verset 6. Jacques 4, 6. Jacques 4, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce pour le salut, la grâce pour la sanctification, la grâce pour vaincre les tentations, la grâce pour percer dans le conflit, la grâce pour être soumis au Seigneur, la grâce pour l'obéissance au Seigneur. Plus de grâce. Ça, c'est la croissance dont nous parlons. Troisièmement, plus de foi. Plus de foi. Voyons 1 Thessaloniciens au chapitre 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Lisons ici le verset 3. Il dit, verset 3, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu. L'apôtre Paul dit, je me rappelle, j'ai observé et je reconnais que vous avez la foi. Votre marche, œuvre de l'œuvre de votre foi. Maintenant, quand il les a écrits en 2 Thessaloniciens, voyons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait de grands progrès. Vous voyez, ils avaient plus de foi. C'est comme ça, nous savons que nous croissons. Nous avançons pour la perfection. Premièrement, plus de fruits. Deuxièmement, plus de grâce. Troisièmement, plus de foi. Quatrièmement, plus de dévotion. Plus de dévotion. Vous êtes plus dédié au Seigneur aujourd'hui, plus que l'année dernière. Vous êtes plus engagé au Seigneur, soumis au Seigneur cette année, plus que 10 ans passés. C'est cette dévotion qui s'augmente, qui est plus élevée, qui est plus grande, qui mesure notre passage à la croissance. En acte 17, verset 11, le mot plus, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Plus nobles. Qu'est-ce qui montre qu'ils étaient plus nobles? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plus de dévotion. Cinquièmement plutôt, plus d'amour. Plus d'amour. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lisons les versets 9 et 10. Pour mesurer votre croissance, vous devez d'abord, voici le mot plus, est visible dans votre vie, peut être mesuré dans votre vie, peut être suivi dans votre vie. Pour plus, plus, plus. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lisons le verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres.
voyez le verset 10, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours, dites-moi, plus dans cet amour. C'est ce qui montre que vous avancez, parce qu'il y a plus d'amour. Sixièmement, plus de diligence. Plus de diligence. Allons en 2 Corinthiens, au chapitre 8. Lisons le verset 22. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 22. Vous voyez, vous devez mesurer cette croissance dont nous parlons. Parce que certaines personnes ne comprennent pas comment mesurer cette croissance dans ma vie. Comment mesurer la croissance dans mon ministère. Plus de diligence, plus d'empressement. 2 Corinthiens 8, 22. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous vous avons souvent éprouvé le zèle, la diligence dans beaucoup d'occasions. Nous l'avons éprouvé dans le zèle, la diligence dans beaucoup d'occasions. Quand quelqu'un est dévoué, plus dévoué, diligent, maintenant plus diligent, sérieux, maintenant plus sérieux, engagé, mais il est plus engagé. Ça, c'est la croissance, c'est la croissance. Et vous ne pouvez pas l'amener à abandonner les choses de Dieu, parce que c'est sa vie, c'est son cœur. Si vous devez venir vers lui, à 5 ans, vous pouvez l'étudier, l'empêcher, vous pouvez le décourager, mais maintenant, il est plus diligent. Ça, c'est la croissance dont parle le Seigneur. Et on dit, dans beaucoup d'occasions, et qui en monte plus encore, cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Septièmement, plus de sacrifice. Plus de sacrifice. Quand vous êtes capable de sacrifier beaucoup plus que vous pouviez sacrifier avant, vous pouvez sacrifier même votre place et votre position pour une autre personne en préférant d'autres. Vous ne savez pas le passé. Ça, c'est mon droit. Ça, c'est ma place. Ça, c'est ma position. Ça, c'est mon privilège. Mais maintenant, il doit faire quelque chose. Ah, je cède ça. J'aime ça. Je veux le faire. Mais je l'aime. Et je le préfère. À coup, pour cela, il n'y a plus de sacrifice. En 2 Corinthiens, chapitre 8, je lis le verset 3. Dans le verset 3, on dit, « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens. » Vous voyez cela, hein? Il dit, ils ont, je l'ai donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donné eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils ont fait plus que nous l'espérions, plus de sacrifices. Est-ce que tu peux sacrifier aujourd'hui plus, beaucoup plus que tu pouvais sacrifier l'année passée? Est-ce que tu peux céder quelque chose aujourd'hui et ne pas t'attacher à cela? C'est pour moi, comme tu l'as fait il y a de cela 10 ans. Est-ce que tu peux sacrifier plus? Plus de compassion. Voyons Luc au chapitre 10. En Luc, chapitre 10. Peut-être pas le passé. Quand vous regardiez la souffrance des gens, vous voyez des gens dans les besoins. Bon, moi aussi j'ai des besoins. Hein. Moi aussi j'ai mes défis. Hein. Moi aussi j'ai mes problèmes. Hein. Mais aujourd'hui, à cause du progrès et à cause du progrès que tu fais, il y a plus de compassion. Tu penses moins à toi-même et tu penses plus aux autres. Luc chapitre 10, lisons le verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Il n'y a pas de limite à mon sacrifice. Il n'y a pas de limite à ma compassion. Il n'y a pas de limite à mon soin.
je le veux en bonne santé et je dépose tel montant pour 2 jours, 2 deniers. Prends soin de lui et tout, quel que soit le montant que tu dépenseras, quand je reviendrai, je te le rendrai à mon retour. Plus de compassion. Il y avait compassion en cet homme. Huitièmement, plus de service. Plus de service. C'est ce qui montre que nous croissons. Dieu merci, tu grandis. Est-ce que tu es dans la maison? Je dis Dieu merci, tu grandis. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Apocalypse 2, lisons le verset 19. Plus de service. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres. Voyez ceci. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est la croissance, c'est la croissance. Et les dernières, tes dernières œuvres, ton dernier engagement, ton dernier service, ton dernier, ta dernière excitation à servir Dieu, à servir le peuple de Dieu, est plus grande que ce que nous avions vu par le passé. Voyons maintenant Philippiens au chapitre 1, dixièmement. Plus d'audace, de courage, plus de courage, plus de timidité. Tu as maintenant de colonne vertébrale, tu as des pieds solides pour tenir et tu as le courage, l'audace, plus que jamais par le passé pour déclarer tout le conseil de Dieu. Plus d'audace, de courage. En Philippiens chapitre 1, verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance, d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. C'est ce qui montre que nous avançons. Ça montre que nous croissons. Maintenant, délibérez. Maintenant, vous calculez. Maintenant, vous êtes audacieux. Vous êtes courageux. Plus que par le passé. Plus d'audace, onzièmement, plus d'obéissance. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Plus d'obéissance à la parole de Dieu. Premièrement, plus de fruits. Deuxièmement, plus de grâce. Troisièmement, plus de foi. Quatrièmement, plus de dévotion. Cinquièmement, plus d'amour. Sixièmement, plus de zèle. Septièmement, plus de sacrifice. Huitièmement, plus de compassion. Neuvièmement, plus de service. Dixièmement, plus d'assurance. Onzièmement, plus d'obéissance. Douzièmement, plus d'oubli du moi. Plus de renoncement au moi. En vous souvenant du salut sauveur, vous oubliez le moi. En vous souvenant de notre sanctificateur, plus en plus, vous oubliez le moi. En remplaçant, vous mettez l'église en premier rang parce que votre ministère à l'église est prioritaire. Vous ne vous souciez plus des douleurs que vous endurez et vous ne vous souciez plus des jungles que vous devez traverser ou des épines qu'il faut traverser sur le chemin parce qu'il y a plus de renoncement au moi. Vous vous souvenez que vous devez servir et ce service est la chose la plus importante et plus importante par conséquent vous renoncez au moi. En Luc chapitre 21,
Lisons le verset 3. Luc 21, verset 3 qui nous dit. Luc 21, 3. Et je y dis, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Cette veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a oublié, qu'est-ce que je vais manger après le culte? Si je mets tout ce que j'ai, elle s'est oubliée. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas quelqu'un, un moyen de soutien, je n'ai pas où je pourrais aller avoir les ressources, et c'est tout ce que j'ai. Voici tout ce que j'ai, et je dois donner cela au Seigneur. Elle s'est oubliée. Et lorsque toi, dans ta vie chrétienne, dans ta dévotion chrétienne, lorsque tu t'oublies davantage et tu te souviens des besoins de l'église, le service de Dieu a besoin de ça. Ils ont besoin de mon expertise. Ils ont besoin de mes habiletés. Ils ont besoin de la connaissance. Comment je vais prendre soin de moi? Et oublie ça maintenant. Sers le Seigneur. C'est ce que Dieu dit lorsqu'il y a plus d'oubli de soi. Jérémie 45, lisons le verset 5. Jérémie 45, 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Les choses au pluriel. Qu'est-ce que tu cherchais par le passé quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce que tu cherchais par le passé quand tu étais nouveau converti? Qu'est-ce que tu cherchais par le passé chaque fois que tu avais entendu parler de la prière? Qu'est-ce que tu cherchais? Beaucoup de choses. Maintenant, elle dit, toi, recherches-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Pense au Seigneur et affectionne-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Revenons en Hébreu. En Hébreu chapitre 6. Hébreu 6, le troisième point maintenant. La perfection dans la véritable dévotion à Christ. La perfection dans la véritable dévotion à Christ. On nous dit dans le verset 1 d'Hébreux chapitre 6. Verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. La perfection est un mot qui intimide certaines personnes, qui effraie certaines personnes. Mais ça ne doit pas nous effrayer du tout, parce qu'en réalité, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de venir et de nous abandonner sur l'autel du Seigneur. Et lui, il fait la perfection. En regardant la Bible, lorsqu'il dit de tendre à la perfection, rappelez-vous, même dans l'Ancien Testament, Enoch, il a tendu à la perfection et il a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'a enlevé. Pensez à Joseph et vous verrez également qu'il n'y avait aucun péché enregistré contre sa vie. Et regardez Samuel et vous voyez ces gens là-bas dans l'Ancien Testament. Voici Ézéchias qui est venu au Seigneur pour dire: Seigneur, j'ai écouté le message d'Esaïe que je vais mourir. Non, je ne suis pas encore prêt. Souviens-toi, je t'ai servi avec intégrité de cœur. Et regarde Esaïe, voyez la perfection. Regardez Jérémie, regardez Ézéchiel. Et ensuite, voyez Daniel. Tous ces gens-là, ils ont cherché de trouver des fautes, erreurs dans leur vie, mais n'ont trouvé aucune. Alors, en regardant l'ancienne alliance, vous verrez, ce n'est pas une chose étrange. Tendons à ce qui est parfait. Et maintenant, vous venez dans le Nouveau Testament. Comme Jésus-Christ a parlé de la perfection, il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. S'il savait que nous ne pouvons pas être parfaits et qu'il nous commande de le faire, ce ne serait pas correct, ce ne serait pas normal. Il sait que s'il savait que nous ne serons jamais parfaits et qu'il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait,
Alors regardez Pierre, après la Pentecôte, regardez Jean, regardez maintenant Paul, l'apôtre, regardez tous ces gens-là dont nous lisons dans le Nouveau Testament. La perfection est une possibilité, la perfection est une réalité. Voyons dans votre Bible maintenant, premier roman, la perfection dans l'Ancienne Alliance, la perfection dans l'Ancienne Alliance. Voyons Genèse chapitre 17. Verset 1er, la perfection dans l'Ancienne Alliance. On nous dit en Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois, dites-moi, et sois intègre, parfait, comme un enseignant peut donner une épreuve à un élève et il sait que l'élève ne peut jamais réussir à cet examen, ce ne sera pas correct. Comment Dieu peut exiger d'être parfait, ma demande en face soit parfait, s'il savait qu'il ne pouvait pas être parfait? Voyons Genèse chapitre 5, lisons ici le verset 22. Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch marcha après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça, c'est la perfection. Voyons Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18, verset 13. Deutéronome 18, verset 13. Je vous attends, ouvrez votre Bible. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, est-ce que vous êtes là? 1, 2, 3, lisez ensemble. Vous voyez cela? Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras parfait à l'Éternel ton Dieu. Ancienne Alliance, l'Ancienne Alliance. Maintenant, voyons 2e Roi, chapitre 20. En 2 Rois 20. Nous lisons le verset 3. En 2 Rois 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, avec un cœur parfait. Ça, c'est Ézéchias qui prie devant le Seigneur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai, voici je te guérirai. Le troisième jour tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tel jour, dites-moi, est-ce que vous êtes dans la maison là? J'ajouterai à tel jour 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Vous voyez comment il a prié. J'ai marché avec un cœur parfait devant toi. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Allons en Job, chapitre 1, verset 8. Job, chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit. Ça, c'est Dieu qui parle d'un homme, qui témoigne d'un homme. Reconnaissant la vie d'un homme, Job, c'est un homme intègre, parfait et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, 8. On dit, Job prie. Job, chapitre 2, verset 3 plutôt. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Dieu
et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. À le détruire sans cause. Premièrement, la perfection dans l'ancienne alliance. Revenons en Daniel, chapitre 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais il ne put trouver aucune occasion. Ça, c'est un homme parfait, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. La perfection dans l'ancienne alliance. Deuxièmement, la perfection avant son offrande au calvaire. La perfection avant l'offrande au calvaire. Christ est venu et il a commencé à enseigner aux gens. Et comme il les enseignait, voici l'accent qu'il mettait. Il voulait qu'il soit parfait. La grâce était là. Le calvaire n'avait pas encore eu lieu. La croix n'avait pas encore été mise en place. Mais toutefois, Christ a exigé la perfection. La perfection avant l'offrande au calvaire. Chapitre 5 de Matthieu. En Matthieu, chapitre 5, avant le calvaire. Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il dit, vous venez à Dieu et vous avez le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu peut le faire dans votre vie. Une fois que vous vous abandonnez sur l'autel et vous vous consacrez, vous consacrez tout. Allons dans le chapitre 19 de Matthieu. Matthieu 19, verset 21. À Matthieu 19, verset 21, Jésus lui dit, ça c'est avant le calvaire, avant la croix. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Parce que sa pensée était sur ce qu'il possède, sur les biens, sur l'argent et l'or, sur les choses matérielles. Et son cœur, sa pensée, son intérêt, son attention, son affection était consumée par ces choses. Et cette chose était devenue idole. Et Jésus dit, tu veux la vie éternelle, va vendre tout ce que tu as. Donne le pauvre, viens monsieur, tu seras parfait. Et si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Cet homme n'a pas pu le faire. Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Ce que tu l'as dit qu'il n'a pas pu faire, nous l'avons fait. Par la grâce, tu feras ce qu'il veut que tu fasses. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Ça, c'est avant la croix, en Luc chapitre 6. En Luc 6, lisons le verset 40. La perfection exigée, la perfection qu'il désirait, même avant la croix, avant le calvaire. En Luc chapitre 6, lisons le verset 40, on dit, le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et rappelez-vous, quand Jésus-Christ était sur le point de partir, il leur a dit, vous ne devez pas être comme votre maître. Celui qui croit en moi, dites-moi, fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et il en fera quoi? De plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Les possibilités sont là. Tu iras à la perfection.
tu croîtras pour la perfection. Tu ne seras pas glissé pour repartir en arrière ou traîner les pas et dire tendons à la perfection. Et maintenant, pour beaucoup plus après le calvaire, beaucoup plus après le sacrifice final sur la croix, beaucoup plus dans la nouvelle alliance. Premièrement, la perfection dans l'ancienne alliance. Deuxièmement, la perfection avant l'offrande au calvaire. Troisièmement, la perfection obtenue dans la nouvelle alliance. Il va parfaire ta vie. Il va parfaire ta vie. Est-ce que tu as peur de cette perfection? Pourquoi tu ne me réponds pas? Il va parfaire ta vie. Hébreux, chapitre 10. En Hébreux 10, lisons le verset 14. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est le moyen de notre perfection. Il nous sanctifie. Il ôte la nature adamique. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il est sur le point de le faire. Et il le fera pour nous. Il le fera dans chacune de nos vies. Voyons Hébreux 13, verset 20. En Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, c'est ce qu'il fait, par le sang d'une alliance éternelle. Verset 21. Vous rendre parfait, me rendre parfait. Dis-le pour toi, me rendre parfait. Il va ôter toutes les imperfections. Il va nous purifier des imperfections. Il va détruire toutes les imperfections. Il va purger toutes les imperfections. Parce que c'est le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui nous donne la pureté, c'est le Dieu qui nous donne cette perfection. Le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement. Toute bonne œuvre. Regardez ici, s'il vous plaît. Vous savez, des gens, ils disent apprenti de tout, mais maître de rien. Je ne veux pas aller là-bas, je vais aller dans tout ce dans cela. Parce que cela va amoindrir mon efficacité. Je vais seulement rester avec cette petite chose, avec cette petite section, et tout ira bien. Mais vous savez ce que Christ est venu faire? Il est venu nous rendre parfaits en toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Voyez l'apôtre Paul. Il était un apôtre. Regardez Paul. Il était un prophète. Regardez Paul. Il était un grand évangéliste. Regardez Paul. Il était un grand pasteur. Regardez Paul. Il était un grand enseignant. Regardez Paul. Il était un grand ministre. Regardez Paul. Il était un grand auteur. Regardez Paul. Il était un grand voyageur. Regardez Paul. Il était un grand soldat de la croix, en supportant la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu lui est parvenue. Et la grâce de Dieu l'a rendu parfait en toute bonne œuvre pour faire la volonté de Dieu. Et face en vous, il va agir en toi ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voyons 2 Corinthiens chapitre 7. En 2 Corinthiens chapitre 7, lisons le verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, les promesses qui peuvent nous parfaire, elles sont là. Nous avons simplement besoin de nous saisir de ces promesses, avoir ces promesses, les avoir dans notre vie, et il va nous parfaire au nom de Jésus. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Dieu va te préserver et te présenter parfait devant lui-même au nom de Jésus. En réalité, le ministère des ministres, des prédicateurs, des dirigeants et de moi-même qui vous prêche, c'est d'amener cette perfection dans votre vie. En Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset 12. J'ai dit pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Est-ce qu'il y a des saints, les saints ce soir? Est-ce qu'il y a des saints ici ce soir? Des soeurs saints, frères saints, où êtes-vous? Il va vous parfaire pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Combien parmi nous? Jusqu'à ce que nous soyons tous. J'ai dit combien nous parmi nous? Est-ce que tu fais partie de tous? Est-ce qu'il va te parfaire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la statue parfaite de Christ? Il va le faire. Et il le fera dans nos vies. Il le fera dans chacune de nos vies. En 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, lisons le verset 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes, nous aussi. Il va nous parfaire ta vie. Il va parfaire ta compassion. Il va parfaire ton soin. Il va parfaire ta bonté. Il va parfaire la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tel il est, tel nous sommes aussi. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tu te réveilles le matin, rappelle-toi, si Christ était là, qu'est-ce qu'il fera? Tel il est, tel je suis dans ce monde. Quand tu vas au bureau, tu n'es pas comme les gens qui sont là-bas. Il a utilisé son sang pour te purger, te purifier, pour te parfaire. Alors tu dois dire, tel il est, tel je suis dans ce monde. Et il n'y a pas de crainte dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui dans notre formation, dans notre développement. Et il dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons, avançons. Est-ce que tu es en accord avec moi? Tendons, avançons. Est-ce que tu es avec nous? Avançons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux eaux de mort, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. La permission de Dieu est là, elle est écrite pour nous. Il dit, voici notre chance, avancez et nous avançons. Avancez et nous avançons. Voici les principes. Sortez de ces principes et faites du progrès jusqu'à ce que nous parvenions à la perfection. Ça va arriver. Dans ta vie, ça va se produire. Dans ton cœur, ça va se produire. Dans ta famille, ça va se produire. Dans ton ministère, ça va se produire. Ça commence maintenant même. J'ai dit, quand ça commence, quand? Maintenant, lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et demande ça au Seigneur. Il faut plus de fruits. Il faut plus de grâce. Il faut plus de foi. Il faut plus de dévotion. Il faut plus d'amour. Il faut plus de diligence. Il faut plus de sacrifice. Il faut plus de compassion. Il faut plus de service. Plus d'audace. Et plus de renoncement au moi et plus d'obéissance au Seigneur. Seigneur, c'est aujourd'hui, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Plus que je l'ai eu par le passé. Fais-le, il le fera.